Les nouveaux locaux du campus virtuel africain CVA, créés depuis mai 2012, sont désormais disponibles. La cérémonie de remise de clés du centre de production numérique s'est déroulée le vendredi 27 juillet 2018 à l'université d'Abomey-Calavi. Sur le plan technique, c'est un bâtiment de type R plus 1, rez-de-chaussée plus étage, qui couvre une superficie totale de 664,02 m², soit environ 332 m² sur chaque niveau et qui comprend les compartiments suivants. Au rez-de-chaussée, une terrasse, un hall d'attente, un secrétariat, deux salles d'enregistrement, deux cabines techniques, une salle de formation, quatre cabines de toilette, un bureau et une salle café. À l'étage, nous avons un hall, une salle préparatoire vidéoconférence, une salle de vidéoconférence, une salle technique vidéoconférence, une salle archive bibliothèque, une salle de réunion, quatre cabines de toilette, un bureau et un balcon. Le budget national a entièrement pris en charge la construction du bâtiment dont le coût est élevé à plus de 163 millions de francs CFA. Depuis votre nomination, Madame la Ministre, vous vous êtes engagée à accompagner l'Université d'Abomey-Calavi dans divers secteurs de la vie universitaire. Le présent édifice n'est qu'une manifestation parmi vos appuis très déterminants à la bonne marche des activités académiques et de recherche à l'UAC. Au nom de la communauté universitaire, je vous réitère notre gratitude et notre franche collaboration pour des résultats encore plus probants. C'est également le lieu d'exprimer nos vifs remerciements à la coopération suisse à travers l'École polytechnique fédérale de Lausanne pour son accompagnement dans le développement des MOOCs et la formation des techniciens de l'UAC. Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, à l'ère d'éthique, investir dans un tel projet n'est pas un investissement de prestige, mais une obligation. C'est une conditionnalité même pour que l'enseignement supérieur soit de qualité. Et le gouvernement, à travers l'économie, le ministère de l'économie numérique, s'y attelle activement à travers le e-education que nous sommes en train de réaliser point par point. C'est bien un besoin dont la satisfaction est perçue par mon département ministériel comme une urgence, d'autant plus que les différents diagnostics aussi sujet de l'accès de la communication universitaire aux produits du numérique sont peu rassurants. Une occasion pour le recteur de l'université, le professeur Maxime Dacruz, de rappeler les autres chantiers encore ouverts et qui nécessitent l'appui du gouvernement pour leur aboutissement. Il s'agit de l'adhésion du Bénin au réseau Wakren, la construction du bâtiment devant abriter l'Institut de formation et de recherche en informatique, qui désormais a un effectif de près de 500 étudiants. La cérémonie d'inauguration a pris fin par la coupure du ruban. Des promesses de bon entretien ont été faites afin de motiver le gouvernement à équiper au plus tôt le nouveau joyau.